Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro A de l'épreuve nationale 2019, session rattrapage pour la filière sciences économiques. L'exercice A étant sur les suites numériques avec 4,5 points, nous allons tout d'abord lire l'exercice et puis nous allons traiter les questions une par une. Reste avec nous. Alors, l'exercice numéro 1, on considère la suite un définie par u0 égale à 1 et un plus 1 égale à 1n moins 9, le tout sur un moins 5. Alors, tout d'abord, on va calculer u1 et u2, puis on va montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un est inférieur strictement à 3. On va vérifier que pour tout entier naturel, on a un plus 1 moins un est égal à l'expression donnée. Puis, on va montrer que un est une suite croissante. Quatrièmement, on déduit que la suite un est une suite convergente. Cinquièmement, on considère une autre suite, vn, qui est donnée par moins 2 un plus 4, le tout sur un moins 3. Vérifions que v0 égale à moins 1. Montrons que vn plus 1 égale à moins un plus 1 sur un moins 3. On déduire que vn est une suite arithmétique de raison 1. Puis le 6a montrant que pour tout n entier naturel, on a un égale à 3 vn plus 4 sur vn plus 2. On déduire que pour tout n entier naturel, on a un égale à 3n plus 1 sur n plus 1. Et finalement, on va calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors maintenant, on commence par la première question. Donc, on va calculer les termes U1 et U2. Alors, on calcule U1. Donc, on a l'expression de U1 plus 1 est égal à UN moins 9 sur UN moins 5. On a une suite ici qui est récurrente. Donc, pour calculer un terme, on l'écrit en fonction du terme qui le précède. Donc, c'est-à-dire pour le U1, c'est U0 moins 9 sur U0. Moins 5. On a le U0 est égal à 1, donc on remplace dans l'expression et on trouve que U1 est égal à 2. Maintenant, on passe au calcul de U2. De même façon, on a UN plus 1 est égal à UN moins 9 sur UN moins 5. Alors, U2 est égal à UN moins 9 sur UN moins 5. En remplaçant U1 par 2, on trouve que U2 est égal à 7 sur 3. On peut ici calculer U2 en fonction de U0 en remplaçant le U1 ici par la formule donnée. Alors maintenant, on va montrer par récurrence que pour tout n entier naturel, on a un est inférieur strictement à 3. Alors tout d'abord, les étapes de la démonstration par récurrence. On a la première étape, c'est l'initialisation. Donc on vérifie la propriété pour n égale à 0. Puis, on passe à l'hérédité, on se fixe un entier naturel, on suppose que notre propriété est vraie pour le n, et on montre qu'elle reste vraie pour le n plus 1, le terme qui le suit. Et finalement, par conclusion, donc on écrit, d'après le principe de récurrence, on a la propriété est vérifiée. Alors, on commence par la première étape, c'est l'initialisation, donc pour le n égal à 0, on a le U0 est égal à 1, 0 évidemment elle est inférieure ou égale à 3, donc on a UN est inférieur à 3 et bien vérifié pour N égale à 0. Alors on se fixe un N, soit N appartient à N, on suppose que notre propriété est vraie pour ce N, donc UN est inférieur à 3, et montrons qu'elle reste vraie pour le terme qui le suit, c'est-à-dire N plus 1. Alors pour cela, on va essayer de montrer que un plus 1 moins 3 est négatif. On calcule tout d'abord un plus 1 moins 3. Donc on a un moins 9 moins 3 facteur de un moins 5, le tout sur un moins 5. On a ici réduit au même dénominateur. On trouve, après développement, simplification de calcul,
moins 2un plus 6 sur un, moins 5. N'oublions pas qu'on cherche à vérifier un plus 1 moins 3 est inférieur à 0. Donc on doit déterminer le signe. On peut ici factoriser par le moins 2 et on trouve moins 2 facteur de un moins 3 le tout sur un moins 5. Essayons maintenant de déterminer les signes. Alors tout d'abord, d'après notre hypothèse, donc on va encadrer tout d'abord le un moins 3. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, on a un est inférieur strictement à moins 3, d'où un moins 3 est inférieur à 0. Maintenant, on va encadrer un moins 5. De même, on a un est inférieur à 3. Donc, un moins 5 est inférieur à 3 moins 5, qui est inférieur à moins 2. D'où, c'est une valeur qui est négative. Alors, le négatif avec le négatif, ça nous donne un positif. Avec la valeur moins 2 qui est négative, alors on trouve un résultat qui est négatif. D'où, un moins 3, elle est négative. Donc, on a pu démontrer que un plus 1 est inférieur à 3. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit notre entier naturel, n, un est inférieur strictement à 3. On continue. Alors maintenant, on va vérifier que pour tout n de n, on a un plus 1 moins un. Ce n'est rien d'autre que un moins 3 le tout au carré sur 5 moins un. Alors tout d'abord, on va calculer la différence, un plus 1 moins un, avec l'expression de un plus 1, c'est un moins 9 sur un moins 5. On réduit au même dénominateur, on développe, on simplifie un peu le calcul, donc on trouve moins un au carré plus 6 un moins 9. Alors n'oublions pas ici qu'on cherche à trouver une identité remarquable, un moins 3 le tout au carré. Alors ici, on remarque qu'on va factoriser par le signe moins. Donc, on se factorise par le signe moins. Aussi, on a ici 5 moins un. Par contre, on a ici un moins 5. Donc, on va factoriser par le moins pour avoir le 5 moins un. On simplifie le moins avec le moins. On trouve notre expression. Et cette expression-là, ce n'est rien d'autre que l'identité remarquable un moins 3 le tout au carré. D'où le résultat final. Alors maintenant, on veut montrer que la suite un est une suite croissante. Alors tout d'abord, pour déterminer la monotonie d'une suite, il suffit de calculer un plus un moins un. Si cette valeur est positive, alors la suite elle est croissante. Si cette valeur est négative, alors la suite elle est décroissante. Donc pour nous, on a déjà calculé le un plus 1 moins un avec cette expression donnée. On sait que la puissance au carré, l'identité remarquable, est toujours positive. On a le un est inférieur à 3. Donc on veut encadrer le 5 moins un. Alors on trouve que 5 moins un, il est positif. D'où notre valeur. Elle est positive. Alors, notre suite, elle est croissante. Donc ici, on a trouvé que la différence entre un plus un moins un nous a donné une valeur qui est positive. Alors, on va déduire que notre suite, elle est croissante. Maintenant, on nous demande de vérifier si notre suite, elle est convergente. Alors, tout d'abord, une suite convergente, si elle est croissante majorée, ou décroissante minorée. Donc, dans notre cas, on a vérifié que notre suite, elle est croissante, donc il nous reste à vérifier qu'elle est majorée. Alors, d'après la question de point A, on a montré par récurrence que un est inférieur strictement à 3, alors on peut déduire ici que notre suite, elle est majorée par 3. Et, puisque un, comme on l'a dit, c'est une suite qui est croissante, alors, un est une suite qui est convergente. Alors maintenant, on prend Vn, une suite qui est définie en fonction de un. Alors, on va calculer V0.
On a Vn, c'est l'expression donnée. On remplace le n par le 0 pour le calcul de V0. Alors c'est moins 2 U0 plus 4 sur U0 moins 3. Sachant que U0 est égal à 1, on remplace dans notre formule et on trouve que V0 est égal à moins 1. Alors maintenant, montrons que Vn plus 1 est égal à moins un plus 1 sur un moins 3. Alors ici, on va calculer Vn plus 1 en fonction de un. Alors montrons, ici on a l'expression de Vn. Donc l'expression de Vn plus 1, c'est moins de un plus 1 plus 4, le tout sur un plus 1 moins 3. On remplace un plus 1 par sa formule, qui est un moins 9 sur un moins 5. On obtient le résultat qui est devant vous. Attention ici à ne pas faire des fautes. Alors, on développe, on factorise et on remet tout au même dénominateur. On trouve ce résultat-là. On simplifie par un moins 5. Donc, on trouve 2un moins 2 sur moins 2un plus 6. C'est un simple calcul qu'on va faire. Alors, on factorise par moins 2 et on simplifie. On trouve que Vn plus 1, ce n'est rien d'autre que moins un plus 1 sur un moins 3. Donc, dans ce passage-là, comme j'ai dit, il suffit de développer, de simplifier et de simplifier par un moins 5. Alors maintenant, on veut déduire que la suite Vn est une suite arithmétique de raison 1. Alors, pour cela, on va calculer Vn plus 1 moins un. Alors, Vn plus 1, on a déjà déterminé son expression. Il suffit de calculer la différence entre Vn plus 1 et Vn. On remplace Vn plus 1 par son expression, Vn par son expression. On remarque qu'elles ont les mêmes dénominateurs. Alors, on va calculer. N'oublions pas ici qu'on a le signe moins. Donc, il faut laisser cette expression entre parenthèses. Et puis après, on simplifie notre calcul et on trouve que c'est égal à 1. D'où on conclut que notre suite est une suite arithmétique de raison 1, puisqu'on a trouvé une valeur qui est réelle. Alors maintenant, on va montrer que l'expression de un en fonction maintenant de Vn. Alors nous, on sait, d'après les données, on nous a donné l'expression de Vn en fonction de un. Maintenant, on va faire l'inverse. On va écrire un en fonction de Vn. Donc, par application des propriétés de calcul, donc on trouve Vn facteur de un moins 3. On développe Vn facteur de un moins 3 Vn plus le 2 un égale à 4. On factorise par le un et on trouve finalement que un est égal à 3 Vn plus 4 sur Vn plus 2. Il suffit maintenant de diviser par le Vn plus 2 dans les deux côtés pour trouver le résultat final. Alors maintenant, on va déduire le un en fonction de n. Alors nous, on a calculé un en fonction de Vn. Donc, il faut calculer Vn en fonction de n. Donc, on va écrire Vn en fonction de n. On sait que Vn, c'est une suite arithmétique. Donc, on a une expression de la suite Vn en fonction de n, si c'est une suite arithmétique, elle est donnée sous la forme de Vn égale à V0 plus n fois R. Donc, dans notre cas-là, on va V0 la remplacer par moins 1, le R par 1, et on trouve que Vn est égal à moins 1 plus n. On a pu maintenant écrire Vn en fonction de n. Donc, on va remplacer l'expression de Vn dans l'expression de un, et on trouve finalement que un est égal à 3n plus 1 sur n plus 1.
Finalement, on va calculer la limite de un parce qu'un tend vers plus l'infini. Alors on a un, c'est égal à 3n plus 1 sur n plus 1. Alors on a, donc on a ici un polynôme sur un polynôme, donc on prend la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Donc 3n sur n, ce n'est rien d'autre que 3. Alors, comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 1 de l'épreuve nationale 2019, session rattrapage pour la filière sciences économie. Je vous tiens au rendez-vous pour une autre correction d'un autre exercice. D'ici là, bon courage. Merci.